n'avais pas spécialement envie de faire la vidéo, mais quand j'ai vu qu'il faisait beau, je voulais vous faire partager un peu de ce beau temps. Regardez. Regardez, regardez le ciel. Regardez comme c'est beau. Voilà, vous avez l'habitude, hein, chez moi c'est un petit coin de paradis pour l'instant. Mais au départ, cette vidéo c'était surtout pour remercier tous les abonnés qui sont venus sur ma chaîne dernièrement. Bon, peut-être qu'il y a l'histoire du confinement aussi qui y fait, parce que du coup, comme on ne sait pas trop quoi faire, donc on va découvrir des vidéos qu'on n'a pas eu le temps par le passé de voir. Et du coup, ça permet de faire connaissance avec des personnes qui sont là, qui vous aident, qui vous soutiennent et qui partagent leurs opinions au quotidien. Et je pense, enfin au quotidien, pas au quotidien parce que je ne poste pas tous les jours, mais en tout cas, je tenais à vous remercier du fond du cœur pour tous ceux qui se sont abonnés en même pas 15 jours de temps. J'ai plus que doublé mes abonnés et ça, je vous en remercie. Alors, je vous en remercie pour une seule raison, c'est que ça permet aux gens de voir comment je pense, ce que je pense et comment je vois le monde actuellement. Et je n'attaque personne, quoique des fois je me laisse un peu aller, il faut reconnaître, hein, je me laisse un peu aller. Mais le but, ce n'est pas d'accuser qui que ce soit, parce que je pense que vous êtes assez grand pour voir que finalement, on est dans un système qui n'est pas correct. Donc je pense que là, de ce côté-là, la messe est dite, comme on pourrait dire. Mais surtout pour vous poser des questions que moi je me pose, et savoir si vous posez les mêmes, et savoir aussi si vous avez des réponses à apporter aux questions que l'on se pose forcément. Là est le but. Le fait de faire des vidéos, ça me plaît beaucoup aussi parce que ça me permet de papoter un petit peu avec vous, et ça fait du bien de papoter, de dire ce qu'on a sur le cœur, et du coup, on se sent moins seul par moment, parce que autre que l'histoire du confinement, quand on commence à parler de certaines choses, beaucoup de gens ne veulent pas y croire et se sentent complètement à l'opposé. Avec ce confinement, ils vont se rendre compte petit à petit. Oh, ça va pas se faire en un claquement de doigts, hein. Mais petit à petit, ils vont se rendre compte qu'il y a certaines choses qui vont pas. Il y a beaucoup de choses qui sortent, des choses dont j'ai déjà parlé dans d'anciennes vidéos. Et qui sortent maintenant. Et je trouve ça assez drôle, hein, dans le sens où même avec ce qui se passe en ce moment, il y a des choses que les gens ne veulent pas croire. C'est pas vrai. C'est ça. Tout va bien. C'est juste parce que. Soit c'est à cause du virus, soit c'est parce que le confinement. Pourquoi le confinement en fait? En fait, pourquoi un confinement si le virus n'est pas si grave que ça, au final? Je vous demande. Pourquoi on nous confine? Parce que sur toutes beaucoup de pages que j'ai été voir, et avec des professeurs et des scientifiques et tout, ils nous disent que, il n'y a que 0,8 des personnes décédées actuellement suite, soi-disant, au virus qui sont vraiment qui ont été vraiment été atteintes du virus. Bon, pardonnez-moi, je bégaye un peu. Qui ont vraiment été atteintes du virus. Et encore, sur ces 0,8%, on ne sait pas
On se doute que c'est dû à leur âge, mais ça nous laisse dans l'expectative. Tous les autres qui ont été atteints ou qui sont décédés avaient une, deux ou trois maladies importantes sous-jacentes qui ont fait que le virus ne leur a pas fait de cadeau. Alors, moi, je me dis que je me dis que si on est en train de nous là, parce que là, il va y avoir, après, comme dit quelqu'un que je connais, il dit, il va y avoir des comptes à rendre après quand même, parce que dans les EHPAD, il y a quand même une forte mortalité de personnes âgées, alors que les EHPAD sont quand même confinés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit aux visites, qu'ils n'ont le droit à rien du tout. Donc, en dehors du personnel médical, qui a bien pu leur refourguer ce virus? Je me demande. Je ne sais pas. Puisqu'ils sont confinés, qui a bien pu leur filer ce virus? À part le personnel soignant lui-même. Et je ne tiens pas rigueur au personnel soignant. C'est pas le but. C'est pas le but de la vidéo. Attention, qu'on soit bien d'accord. C'est pas le but de la vidéo. Est-ce que ce serait les vaccins? Pour pas qu'il attrape justement le virus? Je sais pas. Je me pose la question. Étant donné que le but final est quand même de, enfin, c'est pas ce que j'alimente. Hein, c'est pas ce que j'alimente. C'est moi, j'alimente pas ce genre de. On est en train de me dire cet espace-temps. Voilà, je n'alimente pas cet espace-temps. Néanmoins, on est quand même souvent sur la 3D, même s'il y en a qui voyagent entre les deux. On est quand même sur la 3D. Et sur la 3D, il y a quand même le nouvel ordre mondial qui veut s'imposer. Et comment imposer le nouvel ordre mondial, c'est-à-dire diminuer et affaiblir les gens et les faire disparaître petit à petit. Alors, nos personnes âgées, forcément, hein, quand ils sont en bonne santé ou pas, on leur donne le vaccin de façon à ce qu'ils soient en bonne santé. Sauf que bah, le vaccin, manque de peau, il ne résout pas le problème. Après, on va s'attaquer à nos enfants. Ah oui. Avec les 11 vaccins, avec les vaccins, là, on va s'attaquer à nos enfants. Mais, comme de bien entendu, ce virus qui tue pas plus que les autres, d'ailleurs, parce que des virus, il y en a plein, et il y a plein de gens qui décèdent de tous les virus, quels qu'ils soient, ce virus donne. Pousse les gens dans la peur parce qu'ils écoutent les informations, ils écoutent tout et n'importe quoi, et du coup, ça pousse à la peur. Et il y en a déjà qui demandent à ce qu'il y ait un vaccin qui soit fait pour les protéger de ce virus. Alors, n'y voyez aucun jugement ni rien du tout parce que c'est juste la peur qui les fait agir comme ça. Sauf que si on pouvait s'informer un petit peu sur ce vaccin qui arrive et qui va soi-disant sauver tout le monde du coronavirus, je crois qu'il y en aurait moins qui le demanderaient. Mais de toute façon, c'est le but, hein, le but étant que tout le monde soit affaibli. Et donc, même si les gens ont le vaccin et que même si les gens, ils arrivent à se sauver grâce à ce vaccin, allez savoir ce qu'il y a dans le vaccin. J'ai extrapolé l'autre fois dans une de mes vidéos en disant allez savoir, peut-être qu'il y a des robots, des nanoparticules, des trucs comme ça qui nous envoient de façon à ce qu'il y ait une relation avec la 5G et que quand ils ont décidé d'éliminer du monde, qui mettent en route la 5G, terminé. Donc la 5G, savoir qu'elle n'est pas seulement sur Terre, mais qu'elle est dans
les satellites là-haut. Hein. Donc on est bien, 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 bien encadré par la 5G. Hein. Je ne vous mets pas de lien, mais renseignez-vous, hein, vous allez voir. Il y en a de partout. Il y en a de partout. Donc, à moins que vous ayez une super défense immunitaire au taquet, et si ce n'est pas le cas, je vous conseille, je ne vous demande pas, hein, vous faites ce que vous voulez, vous avez votre libre arbitre, mais je vous conseille de mettre votre immunité au taquet, hein, parce que là, il va vraiment y avoir besoin d'immunité. Et puis de prier aussi, ouais. Ça aide de prier. Alors, il y a aussi cette histoire de. Tiens, voilà, cet immense portail qui va s'ouvrir demain, puisqu'on est le 4, donc demain. Et que tout le monde fasse une méditation pour la lumière. Alors moi, je ne le ferai pas et je vais vous dire pourquoi. J'ai deux raisons à ça. La première, c'est que j'ai jamais été fan des méditations. J'en ai fait. Je ne peux pas dire le contraire, j'en ai fait. Elles m'ont aidé pour certaines choses, elles m'ont aidé. Mais là, je trouve que ça se joue sur un plan beaucoup plus important, beaucoup plus grave. Et que si on veut faire une méditation, je crois, une méditation, c'est personnel. Voilà. On la fait ou on ne la fait pas. Le problème, c'est que sur Internet, en ce moment, on nous oblige. Il y a comme une obligation à faire cette méditation. Alors ça, déjà, ça me dérange parce que moi, j'aime pas quand on m'oblige à faire quelque chose. Il faut que ça vienne du cœur ou alors il faut... Non. Si mon cœur me dit, fais la méditation, je la fais. Pour l'instant, on me dit, reste zen, reste tout cool, tranquille, tout va bien. La méditation, tu la feras en priant. Parce que moi, je fais mes méditations en priant. Et j'ai donc pas besoin de le faire parce que mon cœur, premièrement, me dit de ne pas le faire. Voilà. Et qu'en plus, comme je vous dis, je ne suis pas fan des méditations parce que les méditations, selon l'intention qu'on leur donne, elles peuvent être très bonnes ou très mauvaises. Voilà. Et comme on sait que le diable se cache dans les détails, donc voilà, bah, à bon entendeur, salut. Moi, je prie, je préfère, c'est mieux. Je sais à qui je m'adresse, je sais à qui je parle, je sais ce que je demande et je ne veux pas dire que je suis meilleure ou moins bien qu'une autre, ce n'est pas le cas. Seulement, j'estime que si on doit suivre notre cœur et notre âme, ben, si notre cœur n'est... S'il y a quelque chose qui vous semble bizarre dans cette méditation, posez-vous la question, posez la question à votre cœur et à votre âme et à la source et demandez si c'est une bonne chose, tout simplement, si ça vous parle, si ça vous parle pas, voilà, c'est pas plus compliqué que ça, il n'y a pas à suivre. Moi, ce qui me déplaît dans cette histoire, c'est que c'est quasiment une obligation et j'aime pas. Vous avez beaucoup de monde qui vous dit « Oui, il faut le faire, il faut le faire. Je vous donne les plans de la méditation. Je vous dis comment faire la méditation. Je vous donne toutes les intentions. Je vous fais ci, je vous fais ça. » Mais ouais, mais c'est une obligation, quelque part. On vous oblige à le faire. Parce qu'on vous donne toutes les informations que vous voulez entendre de façon à ce que vous ayez en direction de cette méditation. Et ça, ça me dérange très fortement. Alors qu'on vous dise oui, faites des méditations par petits groupes ou dans votre coin ou un truc comme ça, mais ça aura le même effet. Si l'intention est bonne, ça aura le même effet que vous soyez à 1, que vous soyez à 15 ou que vous soyez à 200. Là, cette demande a fait le tour du monde. Elle a fait le tour du monde. Tout le monde se doit de faire cette méditation. Tout le monde est fortement poussé à faire cette méditation. Et ce fait d'être poussé à faire quelque chose ne me plaît pas.
ça me plaît pas. Alors, j'ai peut-être tort. J'ai le droit d'avoir tort, hein, je suis un être humain. J'ai le droit d'avoir tort, mais je vous donne ce que me dit mon cœur. Je ne ferai pas cette méditation. D'ailleurs, c'est même pas dit que je serai réveillée. Et je ne ferai pas cette méditation. Alors, je prierai à mon réveil, comme je fais tous les matins. Je prierai le soir, comme je fais tous les jours. Dans la journée, je parle, j'ai des contacts assez importants. Donc, non, je ne ferai pas cette méditation. Voilà. Que vous dire d'autre? Bah, il fait beau. On profite du soleil. Le printemps arrive. Enfin, le printemps est là d'ailleurs, déjà. Hein. Moi, j'ai des problèmes dans l'espace-temps en ce moment. Je sais plus où j'en suis, je sais plus ce que je fais. Je sais plus. Enfin, si je sais ce que je fais, mais je sais plus où j'en suis. Et voilà. Alors, la meilleure chose à faire en ce moment, et ça, c'est ce qui est le plus dur en fait, c'est de se centrer sur soi et de faire ce qu'on a envie. Vous voulez faire de la musique, vous voulez écouter de la musique, vous voulez danser sur la musique, faites-le. Vous voulez faire du jardinage, vous vous sentez bien avec ça, ça vous repose, ça vous fait du bien, ça vous coupe de tout, faites-le. Moi, je vous sur la vidéo, je vais vous montrer. En ce moment, plein coloriage, jardinage, etc. Et ça me fait un bien fou. Parce que pendant qu'on est concentré à faire les bonnes couleurs et à pas dépasser, et ben on ne pense pas à autre chose. On est complètement soi. Quand on fait des plantations et qu'on les regarde pousser gentiment tous les jours, faire son petit tour, Dieu a la chance d'avoir la possibilité de faire des plantations, ben, c'est un plaisir de les voir pousser tous les jours. Mais même ceux qui sont en appartement, hein, l'appartement n'est pas une excuse pour ne pas faire de plantation. Hein, ce n'est pas une excuse. Vous pouvez faire des plantations de fleurs, vous pouvez faire des plantations d'herbes aromatiques, vous pouvez même faire un pot avec un pied de tomate ou un pot avec un pied de courgette. Ça apporte de la déco dans la maison, dans l'appartement, hein, même si vous n'avez pas de terrasse ou de balcon, ça apporte de la verdure à votre intérieur et puis ça vous fait pousser vos légumes. Où est le problème? Où est le problème? Je pense que le fait d'avoir un appartement n'est pas un problème au fait de travailler la terre, au fait d'avoir ce que vous voulez chez vous. Des fleurs, des légumes, tout. Même si c'est un petit appartement, si ça dérange quoi? Qui vous en empêche? Vous l'empêchez tout seul. Vous l'empêchez tout seul. Personne ne vous empêche de le faire. Pourquoi s'empêcher d'être bien quand on a toutes les possibilités pour être bien? Il n'y a pas de raison. Voilà, donc juste cette petite vidéo pour vous dire moi comment je vis mon confinement. Dites-moi comment vous le vivez, comment ça se passe avec vous. Est-ce que c'est plutôt bon pour vous ou est-ce que vous le vivez plutôt mal? Pourquoi vous le vivez mal? Je ne sais pas, pour l'instant on a encore internet, on a encore les téléphones qui fonctionnent. Donc la famille, même si on ne la voit pas aussi souvent qu'avant, on a quand même des nouvelles. On peut quand même faire des vidéos et des trucs comme ça, donc je ne vois pas trop où est le problème. Donc prenez-le plutôt du bon côté, c'est-à-dire un moment de repos, un moment de plénitude, un moment où vous pouvez enfin faire ce que vous vouliez depuis longtemps et que vous n'aviez pas l'occasion, vous n'aviez pas le temps. Maintenant faites-le, faites-vous plaisir, voilà. Ce confinement est fait pour vous faire plaisir, pour reprendre contact avec vous-même, pour voir ce qui est le plus important. Est-ce que le plus important, c'est vous, votre famille, vos amis que vous pouvez contacter ou les gens que vous pouvez aider? Ou est-ce que vous attendez avec impatience que ce confinement prenne fin pour reprendre exactement la même vie qu'avant? Je ne sais pas. Posez-vous la question. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je sais ce que je veux.
Je veux juste qu'après ce confinement, tout change. Voilà. Et que les gens se réveillent et qu'ils décident, bah, une bonne fois pour toutes, de faire en sorte que ce système n'existe plus, de le faire tomber. Il y a beaucoup de choses qui sortent en ce moment. Il y en a qui vont sortir encore. Je vais être franche avec vous, même si je sais, parce que je me suis informée, et même si je le sais, disons que de la façon que ça se passe, c'est assez perturbant. Donc, c'est faut peut-être prendre du recul vis-à-vis de tout. Tout ce qui peut être information, tout ce qui peut être. Parce qu'on sait tous que les informations, il n'y a pas spécialement que du vrai, puisque tous les médias, que ce soit des journaux, des télés, ont été. C'est le système qui a la mainmise dessus, donc forcément les informations sont faussées. Que ce soit dans un sens ou dans un autre, elles sont faussées. Donc prendre du recul avec ça, ne plus vous intéresser à ça. Reculer, je sais pas, observer autour de vous. Moi, je vais regarder comment certains sites sur Facebook, pas tous, parce que il y en a des bons et il y en a des mauvais. En fait, on vous annonce tout et n'importe quoi. Et même dans les sites qui sont censés être bons, il y en a qui viennent. Poser des questions qui n'ont pas lieu d'être posées. Donc à mon moment, je me dis, ma fille, il est peut-être temps que tu deviennes sage, et il est peut-être temps que tu te dises qu'au final, tu ne sais rien et que tu laisses faire les choses. Parce que si on a besoin d'aide, on a plein d'aide autour de nous. On a la source, on a nos guides de lumière, on a notre âme, on a plein d'aide autour de nous. On n'a pas besoin du système. On n'a pas besoin. Donc, je pense que c'est le moment de se rendre compte au final qu'on n'a pas besoin d'eux. Qu'on n'a pas besoin d'eux. Mais comme on n'est pas assez nombreux, ben, on a besoin d'aide quand même. Ouais, on a besoin. Et surtout que comme on est confiné, donc le confinement ayant quand même, comme chaque médaille, hein, elle a le revers. Hein. Le bon côté, c'est que ça nous permet de se recentrer. Le deuxième, c'est qu'on ne peut pas bouger. Voilà. Bon, ou très peu. Hein, très peu. Donc, moi, je tire mon chapeau à ceux qui font de la désobéissance citoyenne. Franchement. Je tire mon chapeau à tous ceux qui, malgré ce que peut dire l'État actuellement, continuent à faire leur travail au quotidien, continuent à nous aider. Continue à nous apporter, à faire en sorte qu'on ait de quoi manger, de quoi s'alimenter, continue à nous soigner, continue à faire leur travail pour sauver des vies ou pour sauver des vies, oui, parce que même si vous n'êtes pas malade, le fait d'être confiné. Comme ça vous ramène à vous et que ça vous ramène à votre être intérieur, ça peut aussi sauver, autre que des vies, ça peut sauver des âmes. Voilà. Donc j'ai vu beaucoup de choses passer. Ça y est, le peuple, malgré le confinement, hein, parce que quand on n'est pas trop, quand on est ouvert quand même un peu et qu'on voit ce qui se passe, on se rend compte que grâce au confinement, on peut voir beaucoup de choses, on peut mettre en place beaucoup de choses. Et là, il y a des choses qui se mettent en place contre le gouvernement, il y a des choses qui se mettent en place, il y a des pétitions qui voient le jour, il y a des choses. Bien sûr, il faut être patient. Hein, on n'aura pas tout du jour au lendemain. Il faut être patient, chacun son tour. Le plus important en ce moment, ce sont les enfants qu'on doit protéger absolument. Parce que c'est juste le plus important, c'est protéger les enfants parce que c'est le futur de cette planète. Donc protéger les enfants, c'est le plus important. Et quoi qu'on vous dise, quoi qu'il en soit, comme je vous dis à chaque fois et je vous le répète et je crois que je vous le répéterai jamais assez, prenez ce qui vous parle et laissez tomber le reste. Voilà, ça c'est
la conclusion que je tire de ce confinement. Donc, bah, écoutez, je vais vous laisser profiter du temps. Je vais juste faire un tour d'horizon sur ces belles choses qu'on a. Voilà. Voilà. Ah, et c'est pas encore l'heure du rassemblement des oiseaux, parce que à un moment donné, il sera. Mais regardez, il est pas beau ce ciel sans chanterelle, sans rien. Il est pas beau ce ciel. Il est magnifique. Et puis, on nous dit qu'il y a plein de particules dans l'air et que ces particules dans l'air n'attendent que le feu vert pour nous attaquer. Alors moi, je me dis que si vous élevez votre conscience, si vous vous mettez en rapport avec votre cœur, si vous élevez votre conscience et si vous montez au-dessus, ça va peut-être paraître complètement hallucinant ce que je suis en train de dire pour certains, mais d'autres me comprendront. Si vous montez au-dessus, vous verrez en fait que vous n'êtes pas les seuls à être là-haut, que beaucoup sont là-haut et que beaucoup sont prêts à défendre la Terre. Que beaucoup de choses qu'on vous annonce n'auront pas lieu et que d'autres auront lieu mais qu'on ne vous dit pas parce que ça jouerait pas, ça irait pas dans le bon sens. Voilà. Donc, pour finir avec tout ça et avec... Voilà ce que moi je fais vivre au quotidien. Voilà ce que je veux au quotidien pour moi, pour ma famille, pour mes amis, pour tout ce que j'aime. Et pour les autres, je laisse la source prendre soin d'eux, prendre soin de... faire en sorte que leur vie soit le moins terrible possible et que tout se passe bien pour la plupart d'entre nous. Et connectons-nous de cœur à cœur, d'âme à âme, parce que même si nous sommes à des kilomètres, nous sommes tous réunis, parce que nous sommes qu'un.